Nous allons maintenant voir le vocabulaire associé à la soustraction. Lorsque je calcule une soustraction en mathématiques, j'utilise le symbole moins. Pour calculer la soustraction de 36 moins 29, j'utilise ce petit trait qui va beaucoup plus vite que d'écrire le mot soustraction. Les nombres que je soustrais, je vais les appeler les termes. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Au lieu de dire les nombres que je soustrais, je dis tout simplement les termes. C'est le même mot que pour l'addition, mais comme l'addition et la soustraction, ce sont des cousines, ça ne posera pas de souci. Donc les termes et nombres que je soustrais. Si je calcule 36 moins 29, je trouve 7. 7 est donc le résultat de la soustraction. Pour aller plus vite, au lieu de dire le résultat de la soustraction, je vais dire la différence. Voilà. Nous retiendrons une soustraction, c'est une opération dans laquelle je calcule avec des termes pour trouver la différence. Si je vous dis calculer la différence de 36 moins 29, vous posez la soustraction et vous trouvez 7. Dans votre cahier de cours où vous avez collé votre feuille photocopiée, lisez la deuxième définition pour être sûr de bien avoir compris et vous l'apprendrez chez vous ce soir. Ensuite, vous passez à la vidéo 3.